Premier but pour le match de la Ligue marqué par le numéro 8, Daniel Proce à la surface du numéro 10, Mathis Samba attend une marque. Thank you.
Deuxième but pour le Lausanne Academy, marqué par le numéro 12, Esteban Nenzeli, sur passe numéro 18, Didi Marlowe, sur passe numéro 11, Clément Bonito, dans 16-09. Thank you.
2 minutes de pénalité au numéro 25 de la chaîne Davos, et non trigger pour Charles correct en 11-10. Asce la borsa comprende. Troisième but pour les Dachers de Ville, marqué par le numéro 4, Louis Thibault, la surface numéro 7, Jonathan Gérard, 13-38.
2 minutes de pénalité au numéro 55 de la chaîne Davos, Goalie en misère pour charge incorrecte en 16-49. Assez d'avance, s'il vous plaît. Arbitre et joueur, il reste 1 minute avant la fin du premier tiers.
2 minutes de pénalité, nous avons passé de la chaleur de Dio pour Crossroads en vainqueur 36, ainsi que 2 minutes au numéro 16 de la chaleur de Dio battre pour beaucoup de temps en vainqueur 36. Cinquième but pour la LH Academy, marqué par le numéro 12, Esteban Elzabi sur face du numéro 18, Guy Marlowe sur face du numéro 22, Denis Wittmann en 23-47. Deux minutes de pénalité au numéro 10 du LH Academy, Mathis en bas pour raccrocher le temps 24-13. Acheter Davos au complet. Deux minutes de pénalité au numéro 17 du HLA Post-Lénique Lénini pour obstruction de temps 25-15.
e la cerca del mio problema. Accedere al vostro completo. Thank you.
Accedere a Davos o comprare. Thank you.
Le premier but pour la jeune Davos a été marqué par le numéro 18, Nico Brewery, surface du numéro 17, Lénine Félix, surface du numéro 14, Charlie Wiedergen, dans 37-09. Arbitre et joueur, reste 10 minutes avant la fin du deuxième tiers. Le deuxième but pour le HL à Brest a été marqué par le numéro 22, Normand Meyer, sur place du numéro 14, Charlie Wiedecker, dans 39-41. Thank you.
Sixième but pour le match de l'Académie, marqué par le numéro 13, Gabriel Aguado, sur place numéro 17, Lenny Grossenbusch, dans 43-49. Deux plus deux minutes au numéro 24 de la Académie, Hector Philippine pour dureté excessive et comportement antisportif, temps 45.
Thomas a été demandé par le LH Academy. Thank you.
En temps mort a été demandé par le HC Davos. De lui, de pénalité au numéro 17 de la Chacalmé, l'aîné de Croissant Rouge, ainsi qu'au numéro 26 de la Chacalmé, Bonne-Bio, pour dureté excessive, tous deux temps 56-51. Arbitre et joueur reste 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Les deux équipes au complet.